tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une annonce. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez bien évidemment de quoi je parle. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. Sur Instagram, se passe plein de trucs, je fais des lives, il y a des photos sympas, je donne des annonces en avant-première. Allez-y, Instagram. Et donc en ce qui concerne l'annonce, eh bien ça y est, enfin, j'ouvre ma boutique en ligne. Vous me l'avez demandé depuis très longtemps, j'avais envie de le faire depuis très longtemps, ça a été un petit peu compliqué pour réussir à avoir tout ce qu'il fallait pour pouvoir le faire, mais ça y est, c'est bon, donc la boutique ouvre. Et vous allez me dire quand? Dans 10 minutes exactement, effectivement vous l'avez vu, cette vidéo est sortie 10 minutes avant l'horaire habituel, puisqu'à 17h pile, la boutique ouvre. Vous allez pouvoir y retrouver plein de choses, j'espère que ça va vous plaire. Vous allez y retrouver bien évidemment des choses que vous m'avez déjà vu faire. Je vais pas vous les remontrer, vous les connaissez. Mais je vais vous présenter des objets que vous pourrez également trouver, que vous n'avez encore jamais vus. Alors je me suis tournée vers tout ce qui est papeterie entre guillemets, puisque vous allez pouvoir retrouver des stickers, des bloc-notes, du washi tape, des art prints, des pins, des... plein de choses. Les amis, quand je me suis lancée, j'avais tellement d'idées, vous imaginez dans ma tête ce que c'était. Il a fallu que je fasse un choix, j'espère que le choix vous plaira. J'ai pas envie de tout vous montrer, soyons honnêtes, je vais vous montrer des choses, mais je vais en garder certaines secrètes, puisque j'ai bien envie que vous puissiez les découvrir sur le site par vous-même. Sachez que certains de ces objets tournent autour d'un dénominateur commun, puisque j'ai choisi un thème. Le thème, c'est Luna. Vous allez retrouver donc des objets en rapport avec Luna, et des objets qui ne sont pas en rapport avec Luna, mais que vous pouvez également trouver. Tous ces objets sont magiques, bien évidemment. Je vais donc commencer avec ceux qui tournent autour de Luna. Je vous ai parlé bien évidemment des stickers, vous allez pouvoir en retrouver quelques-uns, notamment bien évidemment le magazine, hein. C'est assez culte quand on parle de Luna. Les prunes dirigeables, et bien évidemment, ces lunettes. J'aime beaucoup le magazine de Luna, je me suis donc dit que je pouvais le décliner sous d'autres formes, et vous pourrez notamment le retrouver sous forme de pins acryliques. Mais vous pourrez également retrouver un bloc-notes avec donc les objets de Luna que vous retrouverez encore une fois. Il ressemble à ceci. Et un objet, j'ai longtemps hésité avant de le faire, je ne savais pas ce que ça allait donner. Et le résultat, pour être très honnête, j'aime beaucoup. Du coup, je suis très très contente qu'il soit sur le site et c'est du washi tape. Comme vous pouvez le voir, donc c'est des objets de Luna que vous pourrez retrouver sur la bande. Il y a tout ce que je vous ai montré, les lunettes, le collier également, il y a le magazine, les prunes dirigeables, etc. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas, le washi tape, c'est un petit scotch que vous pouvez voir comme ici. Celui-ci fait 2 cm de large sur 10 mètres de long. Autant vous dire que si vous achetez un rouleau, ça devrait vous durer un petit peu dans le temps quand même. Mais honnêtement, j'adore le résultat, je le trouve très très cool. Je vous le remontre encore une fois. Pour tous ceux qui font des bullet journal, je pense vraiment que ça peut être quelque chose pour décorer. Et je suis plutôt contente du résultat, donc je pense que le washi tape, ça reviendra sur la boutique. Et attention, pour tous ceux qui aiment Luna, sachez que si vous êtes parmi les plus rapides, il y a 10 packs Luna disponibles sur le site. Dans ce pack, vous retrouvez tous les stickers que je vous ai montrés, le bloc-notes, le pins et le washi tape, avec une petite réduction. En ce qui concerne les autres objets, bien évidemment, il y a d'autres stickers, notamment ceux-ci. Ce sont donc les étiquettes que fait Molly quand elle crée des compotes et ce genre de choses. Ils sont faits sur fond transparent, donc ça fait vraiment étiquette. Si vous préférez les animaux magiques, vous pourrez retrouver le petit boursouflet, bien évidemment. Il y a tout un tas d'autres stickers, mais je ne vais pas vous en montrer plus. Vous pourrez aller les découvrir sur le site. Mais vous le savez, j'aime faire énormément de choses et j'ai tout le temps des idées à droite, à gauche. Voilà, donc du coup, la dernière fois, je me suis mise à dessiner sur mon iPad et j'ai réalisé des petits art prints que vous pourrez retrouver également. Ils sont imprimés sur du papier photo de haute qualité, vous pouvez donc les utiliser pour décorer chez vous. Ils sont au format 10-15, ça vous permet de décorer sans que ce soit trop évident et c'est une petite touche de magie qui, personnellement, j'aime beaucoup. Vous pourrez retrouver 3 prints, notamment la cérémonie de répartition, une petite plante d'herbologie et mon favori, il est tellement vénère, je l'adore. Vous pourrez les retrouver individuellement ou en pack de 3, à vous choisir. Sur le site, vous pourrez également retrouver des décals. Les décals, ce sont des formes découpées dans du vinyle. Vous pouvez l'utiliser pour décorer par exemple la coque de votre téléphone, votre ordinateur ou bien évidemment votre voiture, les vitres, votre
boîte aux lettres, ce que vous voulez. Sachez que le vinyle est fait pour résister, donc c'est vraiment utile et c'est assez cool pour pouvoir décorer des choses auxquelles on pense pas forcément. Vous aurez plusieurs possibilités de design et plusieurs possibilités de couleurs également, donc surtout n'hésitez pas. J'ai aussi pensé à ceux qui avaient déjà des objets magiques chez eux, puisque je suis sûre qu'il y en a. Je pense notamment aux journaux, puisque vous pourrez retrouver ceci. Comme vous pouvez voir, ce sont des lettres dorées, c'est du foil en vinyle, qui vous permet de décorer la une de vos journaux, si jamais ça vous donne envie de donner un petit côté encore plus magique à vos journaux. Sachez bien évidemment que les objets que vous pouvez voir actuellement sur le site sont pour la plupart dans des stocks limités. C'est-à-dire que tout ce qui est stickers, bloc-notes, washi tape, pins, etc. Pour le moment, ils sont là. Une fois qu'ils sont sold out, ils sont sold out. Ils ne reviendront pas. Bon, soyons honnêtes, si vraiment vous me dites celui-là je l'aime vraiment et que tout le monde me dit la même chose, bon je le ferai peut-être revenir, on verra, on verra. Mais pour l'instant, partez sur le principe qu'une fois que c'est sold out, c'est sold out. Il y a quelques objets que vous pourrez retrouver tout au long de l'année, c'est pas un problème, je peux les faire sur demande, mais tout ce qui est stickers, pins, washi tape et ce genre de choses, c'est là tant qu'il y en a. Sachez également que pour chaque commande passée, il y aura un petit mot de remerciement, c'est tout à fait normal de ma part, mais je me suis dit, autant faire un petit mot de remerciement assez cool que vous pouvez garder chez vous, et décorer avec. J'ai donc créé des cartes postales et elles changeront pareil au fur et à mesure, donc pour tous ceux qui commanderont là, vous aurez celle que je vais vous présenter. Si vous commandez un peu plus tard, vous aurez peut-être une autre. Donc voilà, n'hésitez pas à checker, bien évidemment, le site internet. J'ai également créé un Instagram, vous avez des aperçus sur Instagram là-bas et les nouveautés et les trucs, donc n'hésitez pas à vous abonner non plus, tout est dans la description. En ce qui concerne ma première carte de remerciement, vous pourrez la voir, elle ressemble à ceci, vous le voyez, ce sont donc des petits mémos du ministère de la magie. J'ai trouvé ça assez fun. Donc vous pouvez la garder, l'exposer chez vous, faire ce que vous voulez. Et de l'autre côté, vous avez un petit mot de ma part pour vous remercier. Mais ce n'est pas tout. Je vais glisser des petites choses dans les commandes, donc surtout n'hésitez pas. Et on y est, ça arrive, ça arrive. Vous pourrez aller sur le site très très vite. Là, c'est sur le point d'ouvrir, je le sais. Donc je ne vais pas vous attarder plus. En tout cas, un grand merci. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Vous pouvez me laisser un message ici. Vous pouvez me laisser un message sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un email. Vous avez un email ici. Vous avez un contact sur le site. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si jamais il y a des thèmes que vous voudriez voir sur la boutique pour les futures collections, vous pouvez également me les donner, ça peut peut-être m'inspirer pour créer des choses. En tout cas, merci à tous d'être restés juste là. J'espère que vous allez prendre quelques minutes pour aller faire un tour sur le site. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.